Voilà, 274, merci, je le mets avec le nez. Merci mon frérot pour cette game, voilà, il a trollé, il s'est fait punir. Il a trollé, il s'est fait punir, ça se passe comme ça. C'est la loi du marché, frérot. Bonjour à tous, nouvelle vidéo Clash Royale. Content de vous retrouver comme tous les jours sur la chaîne Trapasse et la Folie. Très content de vous retrouver aujourd'hui, très très grosse journée. Journée historique puisque j'ai acheté un aspirateur, du coup je l'ai exposé derrière. Magnifique l'aspirateur, magnifique le deck aussi, regardez-moi ça, on a du merveilleux deck gobelin. Alors je l'aurais appelé deck gobelin, il n'y a pas que des gobelins dans le deck. On pourra faire une vidéo troll là-dessus, mais là on a le cinquième monde, putain, est-ce que je vais le retrouver? Est-ce que je vais le retrouver ou pas? Ou est-ce qu'il a changé de deck? Je crois que c'est Momo. Non, c'est pas Momo. Est-ce que c'est le numéro 6? Bref, c'est quelque part par là. Voilà, il était 5ème monde il y a 2 minutes. Mais voilà, il a changé. En tout cas, on a un joueur pro. Peut-être celui-là. Ah, oh, c'est celui-là. 8ème monde maintenant avec ce deck. Donc voilà, c'est du très très lourd. Je vous montre justement que le deck est bien. Puisque souvent, je vous montre des decks trolls qui sont immondes. Et voilà. Qui sont immondes, mais qui sont marrants. Mais voilà, t'as compris. Donc on est parti. Vous allez foutre de ma gueule, mais j'ai mangé des trucs piquants. Et là, je viens de me mettre le doigt dans l'œil. Et du coup, ça me gratte l'œil. Mais ça va aller, les gars. Ça va aller. On va survivre. J'espère que vous allez bien. Ça pique un peu quand même. J'ai mangé ça en fait. Voilà, pour être honnête avec vous, j'ai mangé les Flammes Pringles. Focus. Vas-y, je vous présente. C'est de pire en pire cette chaîne. Je vous présente un produit par jour. Je parle tout le temps de bouffe. Mais en tout cas, voilà, j'ai mangé ça. Et frère, je me suis gratté l'œil. Et j'ai fait. Oh, putain. Ça pique. Bon, du coup, ok, du gobelin. On est parti. Donc, deck gobelin, dédicace à Farce Attack. Mettez un like si vous voulez que Farce Attack reprenne les vidéos. Puisqu'il me manque, le frérot. Et du coup, ok, on va mettre ça. Attendez, juste la lumière, j'ai l'impression qu'elle est pas au max. Ah si, elle est au max, putain, la lumière derrière. Elle m'a stressé, mais peut-être celle-là. Ouais, non, on va remettre ça. Ouais, on va remettre ça. Ok. Putain, j'ai l'impression qu'elle envoie pas du stack la lumière. Ouais, elle pourrait être plus puissante. J'ai acheté des nouvelles lumières de marque Nonlight. Je fais un petit partenariat. Et du coup voilà, c'est intéressant parce qu'elles sont vraiment très très énervées. Et c'est des lumières un peu pro. C'est pas des petites lumières d'ambiance comme ça quoi. Non, il arrive à connecter frérot, vas-y. C'est quoi ce délire? Vas-y, mets ta TDE. Pouture TDE. Ok, donc double prince. Ok, ah la Valkyrie, tellement pénible cette rookie. Ah, tellement pénible cette rookie. En vrai c'est la pire carte hein. C'est vraiment la pire carte du jeu. Il a la tour de l'enfer, donc on va mettre les chauves-souris ici. J'adore les deux petits gobelins, regardez les deux petits gobelins. Hop là, voilà bébé, voilà, c'est ça qu'on veut, on a bait la tour de l'enfer, voilà, nickel. Bon, est-ce qu'on peut juste défoncer ça maintenant? Ok, là on envoie la sauce tartare, mon ami, on envoie la sauce mayonnaise. On envoie la béchamel, frérot, c'est la béchamel, ça fait 20 ans que j'ai pas prononcé ce mot. Yes, pas mal, et on est bon, hein. Honnêtement, on est bon. Est-ce que je mets le ténébreux? Ouais bon, j'ai fait ça, ça va, ça va, ça va. Putain, le petit play incroyable du gobelin. Ça, il m'a régalé. Ça, c'est la régalouse. Oh putain, attendez, oh, attendez, parce que là. Oui, bah oui, mon ami. Bah, il a cru qu'il pouvait m'avoir. Oh, il est trop mignon. En même temps, il doit tenter le tout pour le tout. Par contre, là. Oh, yeah, yeah, yeah. Ah oui, tour d'enfer direct. C'est pas grave. Hein. On lui en veut pas. Hein. Faut bien qu'il fasse des vidéos lui aussi. Le petit zap qui est parti. Qui permet de garder en vie tout ça. Là, on va mettre la boule de. On va rien mettre du tout. On va fermer notre gueule. Ok. Ok bébé. Voilà, là on va faire effectivement le petit play. Ok. Ok, non mais frère, on peut pas perdre là-dessus. Attends, parce que moi en fait je surestime tout le temps ce que peut mettre l'adversaire avec un lockbait comme ça. C'est vrai que des petits gobelins, un petit mineur qui tank, des petits trucs, ça peut aller très très vite. Bon là je crois qu'on va. Ok, on a le fût. Ok. Ok. Normalement on va prendre. Voilà, pas. Oh, il en manque un. Ok, c'est pas grave. Ça. On peut gratter avec double boule de feu, mais bon. Ok. Focus. 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 No focus. Oh oui, le petit gobelin, il a tapé le con. Il a tapé, bébé. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Let's go. Putain, le gars a réussi à se mettre du piment dans l'œil. Je sais pas s'il y a du piment là-dessus. Parce qu'en gros, je sais pas. En gros, je l'ai acheté, frérot. Je sais même pas à quoi c'est. J'ai acheté un truc, je ne sais pas à quoi c'est. En gros, j'ai vu flamme. J'aime bien quand il y a du feu. J'aime bien l'emoji flamme sur Apple. Vas-y, c'est pas grave. La caméra doit pas coûter assez cher, c'est pour ça. Ouais, je sais pas, petit goût piment, j'ai fait bon. Et là, j'en ai bouffé, mec, j'ai bouffé la moitié. Moi, le problème, c'est quand je mange ça, je mange la moitié. Enfin, là... Attends, il y en a plus trop, quoi. Il y en a plus trop, et du coup... voilà, un bon repas équilibré, quoi.
Non mais j'aime bien les petits plaisirs comme ça me motive en fait, moi je suis vachement... Enfin comme je bosse tout le temps en fait, ça me met des petits coups de pas de dopamine, mais bref, je suis un peu addict à des petits trucs comme ça que j'utilise en récompense lorsque j'ai réussi mes objectifs. Par exemple, voilà, je me mets en tête de faire, je sais pas, 5 vidéos dans la journée, et après chaque vidéo, voilà, je mange un peu, ou alors je fais avant, ou... enfin bref, voilà, je me mets des petites récompenses comme ça, et puis ça marche plutôt pas mal. Ok. Le deck est incroyable, hein. Le deck est incroyable, en fait c'est du double prince qui est pas mal sur la tour de l'enfer, parce qu'on a vu l'adversaire a mis la tour de l'enfer, et du coup il pouvait pas la mettre sur le... Enfin, quand il a mis sur le gobelin géant, il peut pas le mettre sur le prince et sur le prince ténébreux, donc je trouve ça vraiment sexy, vraiment pas mal. Et c'est un super deck de défense, vous l'avez vu, on a le prince et le prince ténébreux, très fort contre les golems, très fort contre les PK, je pense qu'on est bien avec le gang. Faudrait que je trouve un truc pour que ça glisse un peu plus. Ma tablette est un peu rigide. Ouais, bon, on parle de petits détails, mais ça peut faire toute la diff. Voilà, nice, nice là. Ok. Oh là là, on a défoncé cette tour de l'enfer, bébé, j'aime bien. Oh là 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 là, la masterclass. La masterclass du trapa. Regardez-moi ça, boum, la charge du prince. On est à 6000, hein. On n'est pas à 5002, les gars, là. Ok, gang de gobelins. Putain, le deck est bon, hein. J'aime bien parce que ça change et c'est toujours une carte chiante, le gobelin géant, parce que c'est une carte que tu vois jamais. Bon, vas-y, c'est bon, give up. Give up, give up. C'est une carte que tu vois jamais, donc c'est toujours une carte un peu problématique. Moi aussi, j'ai des problèmes avec cette carte. Bon, est-ce qu'il va juste me laisser prendre la tour? Non. Oh, je sens qu'il va être chiant, lui. Je sens qu'il va être relou. Oh, vas-y, il est relou, frérot. Laisse-moi prendre la tour. En fait, il est plus rentable à me laisser gagner. Comme ça, il gagne du temps. Il peut partir sur une autre game, vous voyez? Parce que là, du coup, on perd tous du temps, frère. Qu'est-ce que tu fais, là? C'est comme ceux qui prennent 2 heures aux caisses. Ouais, voilà, j'avais un exemple qui était pas terrible. Qu'est-ce que tu vas faire, frérot? Qu'est-ce que tu vas faire, là? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Allez, bébé, allez, envoie la sauce. Envoie la sauce, putain. Oui, il n'y a plus de bûche. Il vient de mettre la bûche. Et oui, du coup, et oui aussi, c'est un deck bûche-bait, log-bait. Pourquoi? Parce qu'en fait... une fois qu'il a mis la bûche sur le gang, il peut plus le mettre sur les princes. Bah, c'est pas mal, quand il n'y a pas de bûche en face, c'est compliqué de reset les princes. J'aime bien, et tu sais quoi? Allez, pour se faire plaisir, déguste... Oh non, putain, non. Attends, j'ai fait le ménage, les gars, aujourd'hui. J'ai pas fait le ménage. Quelqu'un a fait le ménage, mais voilà. C'est tout propre. D'ailleurs, je vous conseille un meilleur investissement, les gars. Femme de ménage, ou homme de ménage. Je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je pense que ça s'appelle comme ça. Incroyable. C'est un des meilleurs investissements. Alors moi j'habite pas en France, donc c'est beaucoup moins cher. Mais je sais que mes parents ils ont des aides. Enfin en gros, enfin, ils ont des aides, ils sont pas au chômage, ils ont un métier. Mais ils ont quand même des aides pour avoir une femme de ménage en fait. Donc il y a quelqu'un qui vient toutes les semaines, toutes les 2 semaines, je sais plus. C'est incroyable, en fait, la sensation c'est trop bien. Et ouais. Je vous invite à tester au moins une fois, donc je sais que ça peut être cher évidemment, mais avec les petites aides ça peut vous revenir un peu moins cher. Je vous demanderai ce que c'est pour... je vous dirai si vous voulez... vous demanderez à mon prochain live si ça vous intéresse, je vous dirai. Ouais, ça parle profond sur cette chaîne là, putain, ça parle technique, hein. Mais juste de la sensation, frérot, regarde, c'est tout propre, ça brille, c'est incroyable. Du coup... du coup on a le ténébreux, on va mettre le ténébreux à droite. Super, parce qu'on a un petit peu eu chaud au cul sur le côté droit. Est-ce qu'on a envie de faire de la merde? Est-ce qu'on a envie de ruiner la game ou pas, là? Je sais pas trop. Oh, j'ai envie de la ruiner, cette game, quand même. J'ai envie de faire n'importe quoi, comme d'habitude. On va mettre les chauves-sous-sous. Les chauves-sous-sous. Ok, du géant royal, là, je te le dis, ça part en grosse agression. Ok, nice. Le problème, c'est qu'il y a ce pêcheur. Que ça peut connecter. Oui, on a détruit le pêcheur. Ah, on a gratté des deux côtés, donc ça c'est quand même une très mauvaise idée, on va y aller maintenant. Il faut prendre le plus de dégâts sur ce géant royal, il a la bûche, putain. Le seum de fou en vrai. Le seum de baiser. Est-ce que ça part du match-up? Est-ce que ça cause du match-up? Non, je pense que la game est pas morte du tout. Hein. Le pêcheur, ok, il y a pas mal de choses ici quand même. Hein. Comment un pêcheur peut faire autant de mal? Enfin, je comprends pas. En fait, c'est juste une petite carte pourrie, mais je l'ai joué, hein, le pêcheur, là, on va se faire éclater sur la game, mais... Je l'ai joué le pêcheur sur la vidéo. Non mais voilà, pêcheur, en fait c'est très fort parce que ça t'attire vers toi. Ça t'attire vers toi et c'est très très bon en fait, c'est très très fort. Voilà, il va être sa bûche, on connaît hein, mon coco. Voilà, ça du coup.
Frère, il peut pas tout me défoncer, c'est pas possible. 22 secondes. Allez, défend les deux. Là, frère, il aura les deux côtés à défendre. Là, ça va être un enfer normalement. Pour toute personne normale. Non, frérot, dose ta vie. Dose ta life un peu. Oh, frère, il a tout. Non, mais il a tout, hein. Là, honnêtement. Oh, 900, ouais, c'est pas assez. Oh putain, on aurait mis un petit coup. On aurait mis un coup à 300, la boule de feu, ça passait. Dommage. Après, c'est con parce que il y a juste 600. Enfin, en gros, on avait presque pris la tour et on n'a pas terminé, quoi. Dommage. Allez, pour me donner du bien. Putain, mais il y a toujours des... Ok, on va tester. Ah, c'est très bon. Ok. Wow. Voilà, rentabilité de son esprit de soin, là. Frérot, il a une rentabilité de baiser, le mec, hein. Rentable de baiser, hein. Ça m'a frisé ma tour. Ok. Bon, un peu d'eau pétillante, 100 calories pour contrebalancer avec les grosses calories dégueulasses des Pringles. Ok. Bon, c'est la merde. Ok, donc là, il n'y a plus de bûches. There is no bûches. Il n'y a plus de bûches. Tu vas faire quoi? Oh putain, il y a la Valkyrie. Charmer ma gueule la prochaine fois. Non, mais vas-y, c'est chiant. J'ai l'impression que la Valkyrie, elle ruine ma vie. Valkyrie, elle pop dans... c'est une rouquine, voilà, elle pop dans ta vie comme ça, frérot. Allez, focus sur les gobelins. Merci, frérot. Non, mais la Valkyrie qui reste là. Eh, hey, arrête de hanter mes nuits, toi. La Valkyrie, c'est fou, ça. Elle me défonce le... Non, mais elle me défonce le... Ah, ok, princesse. J'ai vraiment cru qu'il allait rajouter un truc. Est-ce qu'on a un bon match-up? J'en sais rien, contre le Logbait. Ok. 2006, pas mal. 2006, c'est pas mal du tout. Là, il va mettre le gang. Pas eu le temps. Oh là 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 là, la Valkiki et tout. La Valkiki, la Tesla. Ouais, ouais, faut prendre l'avantage en élixir. Le truc, c'est que j'ai pas de bûche pour défendre ces bouses là. Est-ce qu'il va vraiment mettre une roquette si je mets le gobelin géant? Je pense que c'est une bonne idée de mettre le gobelin géant pour forcer la roquette et ensuite je pars en. Oh, c'est quoi, hein, il va pas me saouler. Boule de feu, là, j'ai dépensé 10 élixirs. Mets ta roquette! Oh, il l'a pas mis. Oh putain, il l'a pas mis, les gars. Il va peut-être le regretter. Donc là, on sait qu'il y a une Valkyrie. La Valkyrie ultra toxique. Donc il nous faudrait des petites chauves-souris, ce serait pas mal. On va mettre ça, ok. Le prince de Shrek. Là, on va mettre ça pour défoncer. Voilà, parfait. Oh là 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 là, ça peut faire mal. Hein. 2200. C'est pas mal ce qu'on fait là. C'est vraiment. Putain, la bûche. Ok, on est repassé devant. Ok, nice. Il l'a mis derrière. Il l'a mis derrière. Il l'a mis derrière. Il l'a mis derrière. Oui, bébé. Il va quand même mettre un dégât. Putain, la chatte. Non, il a pas mis de dégâts, je crois. Ok, Tesla. Oh la Tesla. Oh la Tesla break. Oh la Tesla. Oh purée. Oh pop pop. Oh la 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 la. Panique, panique. Panique à bord de la part de Daddy Derrick. Ah oui, là c'est panique à bord. Ah frérot. Ah non, putain, il va m'avoir. Il va m'avoir. Il va m'avoir, les gars. Il va m'avoir. Non, il peut terminer roquette. Mais j'ai le seum. Pourquoi à chaque fois ça se passe comme ça, les refs? Eh oui, il termine roquette. Putain, pré-shot. 26 points de vie. 26 points de vie. Putain, il avait le truc. J'ai le seum, les gars, vraiment j'ai le seum. Oh, le logbait, vas-y, mais cochon de pensée, ce logbait, je ferai une vidéo, les gars, je crois. Et tu sais quoi, un jour, je vais faire un live de 5 heures, je ferai que des decks toxiques. Logbait, cochon de pensée. En fait, les decks. Ah, en fait, si vous voulez, Clash Royale, soyons honnêtes, il y a des cartes qui sont très fortes. Mousquetaire, canon, tout ça, les cartes un peu toxiques qui coûtent pas cher et qui donnent beaucoup de value. Et en fait, quand tu fais un deck cycle, tu retrouves rapidement ces cartes. Deck cycle, c'est-à-dire que tu les retrouves facilement. Du coup, c'est totalement chiant. C'est tout le temps chiant de jouer contre des deck cycle, en fait. Il n'y a aucun moment où on se dit, ouais, trop bien un deck cycle. C'est toujours chiant, en fait. Donc, faudrait changer quelque chose. Alors, pour moi, il faudrait nerf certaines cartes. Parce que les logbaits, en vrai, c'est chiant. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'à bas niveau, moi, quand je recommence des comptes, je me fais tout le temps. Avec le logbait, je fais de 500 trophées à. À 4500 trophées, tu vois, je ruine le jeu avec le logbait. Je mets des petits trucs un peu derrière, un peu devant, et ça défonce tout le monde, quoi. Et on aime bien défoncer les adversaires. Ok, je pensais qu'il allait mourir, le géant squelette. Putain, dites-vous, quand même, il y a une époque, il y avait le géant squelette niveau 16. C'est vrai que j'avais fait pas mal de vidéos avec le squelette géant 16, parce que c'est tellement cheaté, et vraiment, c'est une masterclass, hein. Ah!
Ça, c'est problématique. Que ça suffit. Je pense que ça suffit. Ça suffit pas. Bon, ok. On va rajouter. Comme ça, s'il put la bûche. Put the bûche. Put the bûche, frérot. Ok, normalement, ça va détruire la saucotte. La saucotte, c'était le nom qu'on donnait à la sorcière dans Clash of Clans à l'époque. D'ailleurs, vidéo Clash of Clans qui arrive. J'ai pas mal de projets. Oh, c'est quoi cette couleur verte? Mec, c'est atomique. Incroyable. Ok, squelette géant. Putain, on a pris 0 dégâts ou c'est moi là? C'est moi, on a pris 0 dégâts, les gars. Là. Comment ça se passe? On est trop bon. On est trop bon. Putain, c'est horrible à défendre hein, ce que je lui ai mis là. Regardez les dégâts des gobelins. Ok, on va juste mettre le prince ici, tranquille. Attends, mon ami, qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu m'as pissé dessus là. Je vais beaucoup pisser dessus par les adversaires clonage. Oh, il a double cloné! Il a double cloné ce fou! Ce zozo! Il a double cloné ce zozo! Oh, il a la bûche, putain, je suis con. Non, il a quoi? Je sais plus. Ah oui, squelette géant, voilà, essaie de cloner. Non, frérot! Non, mais attends, mais pourquoi le mec passe tout le temps? Sorcier électron, on en parlait l'autre jour avec des potes, non, c'est pas vrai. J'en parlais l'autre jour avec vous. Frère, c'est bon. Non, mais frère, il a double clone! Il a double clone, ce fou, ce zozo là! Ce zinzin plutôt, c'est un zinzin lui! Je pense que le gobelin géant est pas dégueu. Vas-y, aucune bombe qui passe, parfait. Ah, par contre, il n'y a plus de. Par contre, le gobelin géant n'est plus là. Bon, on va essayer de passer, les gars. Essayer de passer en force. Il joue aussi Zappy, ce grand malade de. Ce grand fou furieux. Il joue Zappy là, cette grande saucisse! Cette grande sauterelle! Qui c'est qui disait cette insulte? Ça me fait marrer. C'était un mec. Je sais plus comment il s'appelait. Grande sauterelle, il disait. J'adore cette expression. J'aime bien des expressions un peu à la con comme ça. Ok, on va mettre ça. Là, il peut plus mettre sorcier électro. Là, faut vraiment pousser la défense parce qu'on sait qu'il est chargé le ref. Chargé comme un smirmork. Ouais, bon, voilà. Hein, merci. Et du coup, là, il faut ténébrer. Il faut ténébrer. Ah ouais, il s'en bat les couilles avec son zappy. Il s'en fout, le mec. Il envoie du zappy comme as. Oh là 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 là, il veut vraiment me défoncer là. Là, il veut vraiment me défoncer, hein, les gars. On a vu que le petit play lui avait fait mal. Une belle BDF, là. Yes, ok, encore un zap. Putain, les gars, c'est un malade, ce mec. Vraiment, j'en ai vu des choses, mais là... Ok, là, l'idée, c'est de faire tanker les chauves. Les chauves-souris, pardon. Que je parle avec précision. Putain, on va pas réussir hein. Ah, je donne tout les gars. Là honnêtement je donne tout. Là il faut absolument le détruire maintenant. Ça il faut. Oh frère, là il dose. Dose. Ouais non mais frère. LOL, c'est une belle game en tout cas. Putain, il a forcé comme Jaja lui hein. Lui, il a forcé comme Jaja, frérot. Ouais, on a vraiment trois défaites dans notre sale gueule. Trois défaites dans notre gueule. Wouah, pas de bâtiment. C'est ce qui nous coûte un peu la game aussi. Mais what, la fin. Attends, la fin. Et dites-vous, je lui ai détruit un... Dites-vous, alors là, POV. POV de l'adversaire. POV de l'adversaire. Clonage. Ah non, mais il a juste mis le clonage, en fait. Ouais, attends. POV de l'adversaire. Attends, je reviens avant. Il a mis le premier. Non, attends, mais pourquoi ça veut pas revenir avant? Premier POV de l'adversaire. Squelette géant, fût, deuxième fût et clonage. Wouah, il s'en bat les couilles, le mec. Il s'en bat les steaks, vraiment, hein, j'ai jamais vu ça. Bon, bah si on perd cette game, on est en négatif. Let's go, champagne. Allez, hein. Heureusement, j'ai mon repas de roi. Bon, voilà, après, on aurait pu mieux jouer, effectivement, mais putain. Squelette géant, vas-y, c'est con, on va les agresser là, c'est bon, ça m'a saoulé. Ok, on va patienter. Ouais, non, vas-y, on patiente pas. Changement d'humeur. Non, mais c'est chiant en fait, parce que là, j'ai bien joué la game d'avant et on se fait ratatiner. What? Oh, comment il avait ski? Comment il a esquivé lui? Oh, t'es qui toi? Mais mec. Attends, il y avait un prince des chauves-souris, le gars il s'est barré. Ok, moi, jeu sérieux, technique Netflix, les gars. Je vous le dis, technique Netflix. Voilà, on se met une vidéo Netflix.
Voilà, on se met une vidéo Netflix, ok. T'as mis ton zap, frère? T'as mis ton zap? Non, on fait pas technique Netflix, en fait. T'as mis ton zap? Putain, il a zap bûche, mais c'est pas possible! C'est pas possible de jouer zap et bûche! Mec! On a un deck zap bait et Izu. Vas-y, hein. Bon, bref, il joue bûche. Frère, il joue ce truc-là, je peux même pas mettre des chauves-souris, je peux rien mettre. Mec, je suis rôti, là. Frérot, je suis vraiment rôti, je ne peux rien faire. J'ai le seum, frère, vraiment. Est-ce que c'est vraiment un truc de match-up? Putain, parce que l'autre, il a fait... L'autre, il a fait quoi? Il a fait top 5 monde, quoi. Là, il est top 5 monde avec ça, quoi. Putain, c'est pas possible. Mais après, je tombe pas contre des clonages toxiques. Vas-y, je force. Ça a fini par passer, frère. Il peut pas tout défendre. Ouais, mettre quoi? Le zap? PK, ok. On met 7. Ouais, le problème, c'est que là, on met 7, il met 7. Le problème, c'est que là, vraiment, on est pas bien. Ouais, allez, vas-y, c'est bon. Il se fout de ma gueule, on va le détruire. Les gars, c'est bon. Là, quand il se fout de ma gueule, j'ai envie de les détruire, les mecs. Vas-y, c'est parti. Gang de gobelins. Non, les gars, il a dit aïe. Juste pour ça. C'est pour ça, faut pas mettre des boticodes. Voilà, frère, là, c'est gagné. Là, je vous le dis, c'est gagné. On part là-dessus. Voilà. Allez, adios, hein. Adios, amigos. Et la bonne chance pour défendre, hein, mon gars. Voilà, super. Mettez pieds. Oh, frère, c'est pas trop, là. Mec, c'est déjà mort. Non. Non, mais donne-moi la référence de ton prince, mec. Mon prince, il est pas comme ça. On va quand même. Ouais. Essayer de protéger notre frérot. Ok, ça fait jouer le zap, c'est bien. Putain, comment on passe là? Oh, il y a PK, frère. PK plus bâtiment, waouh. Ok, là, faut essayer de gérer ça juste avec les chauves-souris. Il n'y a pas de sorcier électro, il y a du cavabélier. Putain, de cavabélier, c'est quoi cette carte encore là? Qui a inventé ça, les gars? Je vais retourner chez Supercell, trouver la personne qui a inventé cette carte. Parce que franchement, faut que je fasse un deck cavabélier. Alors, je pense que ça fera pas beaucoup de vues parce que les. Je sais pas, mes decks cavabéliers n'avaient pas fait beaucoup de vues l'autre fois. Mais ouais. Allez, là, ce serait bien juste de défoncer l'adversaire, je vais le mettre. Hein. What, il est temps de recycle un peu. Mais frère, on est condé. Mais c'est des extraterrestres! C'est des extraterrestres, frérot, vraiment! Allez, juste à terminer avec une boule de feu, petite charge. Oh, putain, dommage, on était bien. Ah, on était tellement bien à droite! Putain, non! On était tellement bien, frérot, c'est pas possible! Oh là là, la vidéo qui commençait bien! En vrai, on a joué hyper bourrin, mais bon. Ah, on s'ennuie sinon, les gars, je vous dis, on s'ennuie sur les vidéos, dites-moi. Alors, dites-moi sur les vidéos, mettez votre clavier. Est-ce que vous préférez que je gagne plus, mais qu'on s'ennuie? Parce que sinon, c'est pas drôle, tu vois, là, au moins, c'est marrant, on se marre. Tu vois, on en met partout, on voit comment ça réagit. Parfois, ça gagne, parfois, ça perd. Ouais, bon, ouais, ça va perdre beaucoup, je sens. Voilà, un petit dégât, voilà, ça commence très très fort. On voit ce qu'il joue, sorcière de la nuit, bomber, ça joue sûrement du gogo, du lélem. Ça joue sûrement du golem. Ouais, voilà. Et là, c'est nous qui l'énervons. C'est parfait. Ok. Là, on va juste faire ça. Non, mon cas. Non, mais. Oh! Mon con! Vas-y, mets un troisième. Bah oui, mets un troisième coup, tant que tu y es. Vas-y, prends tout. Prends ma femme, mes gosses, mes thunes, mes roupies. Non, mes frères, c'est trop, là. Je le fais tourner, tente pas. Il met trois coups sur la tour. J'ai mis des gobelins pour défendre. Ils ont pas défendu. Et là, il se fout de ma gueule. Putain, les gars, mais ça troll de fou aujourd'hui, hein. Il se passe quoi, là? Pourquoi ça troll comme ça, Clash Royale? Ah ouais, il s'en bat les couilles, hein. Ok, là, faut jouer. Oh, il a plus d'élixir. Là, les gars, je vous le dis, il a plus d'élixir en face. Ah, il se fout de ma gueule. Ah ouais, c'est sale, hein. On va faire le combo de 2012. Allez, mets ton golem, frérot. Merci, hein. Allez, bonne chance. Bonne chance pour tes projets. Armée de squelette, peut-être. Non, il peut rien mettre. Ah bah non, tu peux rien mettre, c'est vrai. C'est vrai que tu peux rien mettre parce que t'as plus rien. Parce que t'as tout mis dans ton vieux golem. Moi, je vais te détruire avec le gang de gobelins. Ah putain, il a des bombeurs. Il a le bombeur. Ah, c'est la merde. Bon, c'est la merde. Après, j'ai les chauves-souris. Oh là 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 là. Détruis-moi ce truc là. Pourquoi il y en a une qui est morte, chauve-souris? Voilà. Ok, 400 points de vie avec ce truc. Comment c'est possible? Non, il va nous prendre la tour, mec. J'ai le seum, vraiment. Allez. Les gars, il n'y a pas de défaite possible. Il n'y a pas de défaite possible ici. Il s'est foutu de notre gueule. Il vient de prendre 800 dégâts avec son vieux truc, là. Non, vas-y, me dites pas qu'on a un mauvais match-up contre Golem. J'y crois pas. Non, je peux pas le coup. Bah, frère, allez, c'est bon. Frérot, c'est pas possible de perdre. C'est pas possible de perdre contre un Golem. Vraiment, les gars. Non, mais ils vont changer de bord. C'est bon? Allez, pousse tout! Il n'y a plus de zap, il n'y a plus de mini PK. Normalement, il n'y a plus de zap, il n'y a plus de. Ah, à moins qu'il joue bûche.
C'est mieux de jouer pincé névreux, je pense, parce qu'il y a deux golems. Du coup, voilà. Ah, après, il faut. Non, focus qu'un, putain, le con. Ok, 3000 points de vie. Putain, est-ce qu'on va à droite ou est-ce qu'on va à gauche? Il va y mettre son mini PK, il faut défendre, il faut défendre. Ok, pas de mini PK, pas de mini PK, pas de mini PK. Oh la tornado! Pas de mini PK, s'il te plaît. Oui, focus là, Trouduc! Voilà! Ah! Sick, sick! Sick, ça veut dire en gros, c'est chiant quoi. Vas-y, mon ref, vas-y, c'est bon, là on va prendre. Là, ça prend forcément la tour. Là, là mon gars. Allez! Allez, connect, putain! Oui! Oui, t'es grand! Oui, t'es grand! T'es grand! T'es très très grand, t'es immense! Allez, c'est bon, 247, on vérifie juste. Voilà, 274, merci, je le mets avec le nez! Merci, mon frérot, pour cette game! Voilà, il a trollé, il s'est fait punir! Il a trollé, il s'est fait punir, ça se passe comme ça! C'est la loi du marché, frérot, je te le dis! Aïe, 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 aïe! Quelle masterclass! Ça, c'est des games que j'aime, voilà. Ça, c'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin. C'est souvent à la fin qu'on a les meilleurs games. Waouh, incroyable. Ok, une dernière. Allez, putain. Et est-ce qu'on peut, s'il vous plaît? Je pense qu'on est de mieux en mieux avec le deck. On peut mettre beaucoup de pression. Gauche, droite, bas, haut. Voilà, et j'adore ce deck. Allez, on va juste attendre un petit peu, parce que sinon, on va encore faire de la merde. Ok, princesse. Allez, on envoie la purée, c'est bon. Il va me saouler, sinon, je vous le dis. Sinon, il va me saouler avec ça. Avec son lockbait, je peux. En fait, les trucs, les gars, c'est que je peux pas. J'ai malheureusement pas accès à la bûche. Donc, en fait, contre ce match-up, je me fais juste défoncer. Et juste défonce la princesse, voilà. Au moins, on a défoncé la princesse avec les gobelins. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Ok, là, c'est la merde. Là, c'est clairement la merde. Waouh, non, mais frère, il sait qu'à chaque fût de gobelin, il me défonce, en fait. Il y a de la princesse ici. Failli, hein. Failli faire le pré-shot de la mort là. J'ai failli faire le pré-shot de la mort. Pourquoi j'ai mis ça, j'en sais rien. Pour tanker la tour de l'enfer peut-être. Est-ce qu'il joue tour de l'enfer? Et sa force. Gang de gobelins, ça défend muy bien. Je parle pas du tout espagnol, j'étais vraiment nul. La dédicace à ma professeure qui était désespérée avec moi, Madame Martin. Des grosses dédicaces, hein. Qui, je comprenais rien dans cette langue. Faudrait que je m'y mette. Bon, bref. Bon, ça fait 10 ans, cette époque. Peut-être que maintenant je serai une bête. Peut-être que maintenant je serai incroyable. Bon, bref, du coup. Le zap qui passe. Oh là, j'ai eu chaud. Bon, là, je défends pas. Ok. Là, on est vraiment bien. Ah, je vous le dis, on est vraiment bien. Croyez-moi, cette game sera mienne. C'est la revanche sur le lockbait d'avant. Mais purée, qu'est-ce qu'il faut être patient. Ah oui. Ah oui, bon. Oui, bah vas-y, prends tout ton temps. Vas-y, c'est bon. On a le temps, de toute façon. Ok, Valkiki. Ah. Ça veut pas, hein, ça veut pas cette game. Et le fait de pas avoir de bûche, ça me rend tellement triste. Même si je défends. Ok, c'est bon, j'ai défendu avec 412 d'élixir, frérot. Ok, là, ta bûche, poutre sur bûche. Là, il peut pas mettre sa. Voilà, parfait. Il va mettre sa prince. Ok, tour de l'enfer, putain. Défends-moi cette tour! Non, mon ref, franchement, s'il défend pas, j'ai le seum là. Mec, la tour, il lui reste 2 points de vie. 2 points de vie. Oh, il prend le spot. Il a pris le spot direct. Wow, il a pris le spot direct. Il veut vraiment terminer comme ça. Allez, play your bush on the left, please. Putain, mais ça veut pas, les gars. J'ai l'impression que lockbait, on est maudit. On est totalement maudit là. Vas-y, c'est pas grave. Là, on a envoyé les grands moyens. Tour de l'enfer, frérot. On se fait éclater. Je suis désolé, hein. Ah, j'adore Clash, mais là c'est très très dur. Hein. Là, vraiment, c'est très très dur. On est contre des murs, en fait. On est contre des murs. Même si on joue 50 win conditions, ils s'en balèquent, puisqu'ils cyclent tellement vite. Vas-y, bébé. Ok, regarde, c'est quoi, je vais envoyer la sauce. Non, mais frère, comment en zappant et en mettant des gobelins, je peux prendre... Non, les gars, le problème, c'est la bûche, hein. Soit on met la bûche dans le deck et on se fait une anargame pour le fun.
soit on va se coucher, mais là, ça me paraît très très compliqué de refaire des games comme ça sans bûche, quoi. Parce que du coup, avec le zap, je détruis pas, mais je peux même pas faire de value, même si... Mais tu vois, là, j'aurais pu avoir une bûche extrêmement value. C'est un exemple, fallait pas que je la mette là, mais... Voilà, là, je peux pas... Putain, je me fais défoncer, en fait. En plus, il se fout de ma gueule, il met les trucs devant. Bon. Après, si j'ai plus le zap, je peux plus défriser les tours de l'enfer. Wouah, putain, les gars, il fait 6ème monde avec ce deck. C'est un deck de bourre, c'est un deck bien. Mais je pense que c'est un deck... Ouais, tu mets pression. Ouais, faut avoir l'avantage élixir. Si t'as pas l'avantage élixir, c'est terminé. Et le géant, faut jamais le mettre, quoi. Voilà. Bon, on est à la game pour revenir à 6000, sinon... Je pète un câble. Ouais, c'est bon, ça m'a saoulé, les gars, ça m'a saoulé. On y va, là, on y va. Ah, tour de l'enfer encore, mon ref. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? C'est pas possible de rejouer. Oh, il se fout le doigt dans le nez. Mais voilà, j'ai posé une question. Il m'a répondu, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Il se met le doigt dans le nez. Petit cochon, va. Biki. Petit cochon. Et voilà, putain, comme on galère à défendre. Non, frère, c'est trop. C'est trop. Prendre 300 points de dégâts alors qu'on a mis 12 élixirs. C'est vraiment terrible ce qui s'est passé, vraiment, les gars. J'ai le seum. J'ai le seum. C'est dur, en vrai. Hein. Très, très dur. Aïe, 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 aïe. C'est dur, en vrai. Hein. Ouf, ok. On va détruire les petits gobinos. Super. J'en ai marre du lockbait, vraiment. Je crois que ça me fait encore plus péter un cap que le cochon 2.6. Ok. Il y a quoi? Il y a des gobinos. Ok, le chevalier. Eh, cette vidéo, c'est lockbait. Alors, évidemment, si vous ne tombez pas contre lockbait, si vous tombez contre même le golem, on l'a défoncé. C'était trop tellement bien, tellement satisfaisant. Mais voilà, après, contre les autres decks, c'est sûrement mieux. Là, je vais juste faire ça, parce que sinon, les gobelins vont vraiment me mettre cher. Ok, je pense qu'on a un deck de x2, effectivement, parce qu'en fait, là, n'importe quelle carte en x1, bah, il peut défendre avec soit un gang, soit un chevalier. Mais je pense que c'est juste en x2 qu'il faut vraiment faire le gros port et envoyer à gauche, à droite. Quand on envoie à gauche, à droite, il peut pas gérer. C'est comme en ce moment, je joue à Age of Empire 2. Et quand tu galères à passer en 1v1 comme ça... Quand tu galères vraiment à passer en 1v1, tu fais quoi? Bah, tu vas passer, tu vas en mettre un peu partout, à gauche, à droite, dans l'ascenseur, dans la cuisine, dans le boulevard, partout en fait. Tu vas juste en mettre partout, mais pour cela, sur Clash Royale, il faut être évidemment patient. Mais on va faire ça, on va split push, frère, c'est la strat. La strat, c'est de... Oh, il se fout de ma gueule, là, vraiment, là, les gars, là, il n'y a plus aucun respect, là, j'en vois tout, parce que là, les gars, honnêtement, là, il s'est vraiment foutu de ma gueule, le gars, je vous le dis. Mettre une roquette comme ça, bon... Là, il se fout de ma gueule, vraiment. Oh, les mecs. Putain, ça passe pas, mec. Ça veut pas. Le deck est bon, il fait 5ème monde avec, les gars. Ça vient pas du deck, ça vient de moi. Hein. Allez, poutu en bûche, il y a plus de bûche en face. Il va faire quoi, là? Ça pour gérer la tour. Pas de tour. Voilà, bébé. Voilà, petit zap. Voilà bébé, voilà ce qu'on veut. Voilà, je vous avais dit gauche-droite, il a galéré. C'est la strat Age of Empire, frérot. La strat Age of Empire, c'est de mettre les deux côtés. Bon, après, je pense qu'il a surtout fait de la grosse merde en mettant son truc. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis quoi? Bon, bref, il a mis où? Il a mis la roquette as. Bon, frérot, autant te dire que c'était pas la meilleure des idées du monde. C'était pas une lumière pour le coup. Ok. Allez, bébé, c'est parti. Une dernière. Non, une dernière, parce que je sens que le deck est bon, mais on tombe que sur des lockbait, putain. S'il vous plaît, pas de lockbait. Là, on va la jouer bien. Je vous le dis, on va la jouer bien. Là, frérot, j'attendrai. Je m'en fous. J'ai mon paquet de Pringles. J'ai ma tante. Oh, un frérot. Je pense qu'on a un bon match-up contre ce gobelin. Contre ce petit goblinos. Ténébreux. Ok. Là, on va pas hésiter à jouer la boule de feu. Ah, dommage, putain, on aurait une value de fou. L'idée, c'est juste de détruire le mini PP. Voilà, détruire le mini PK, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de... Bah, de défoncer le mini PK. Pourquoi il faut tuer le mini PK pour défoncer le mini PK? Mais en vrai, mini PK qui est insupportable pour... Ouh, ça c'est pas mal ça. Hein. Ça c'est très très bien, ça me plaît ce genre de play. Jeu de mots. Il vient de jouer son zap, là on va pousser. La raison c'est, il a joué son zap, ok, cache goblin. Il y a décidément beaucoup trop de gobelins dans cette game. Il n'y a plus de zap, hein, on rappelle. Donc on va évidemment pousser. Et on va pouvoir mettre un prince en défense.
Un petit ténébreux. Et un petit gang derrière. Nice. Oh, il fait un massacre là son truc. Il fait un carton avec ses petits archers. Trop mignon les archers en vrai. Ça fait longtemps que je les ai pas vus. Super bûche ici. Voilà, bûche et zap. Bon, on est habitué, hein. Mais qui, en vrai, qui joue bûche et zap? Y'a personne qui fait ça. Non mais y'a personne en fait, c'est au choix. Soit tu joues boule de neige, soit bûche, soit zap, mais. Tu joues jamais bûche. J'arrive plus à parler. Tu joues jamais les deux quoi. Là c'est du. Oh, il nous coûte seulement 3 ce gobelin. Oh, c'est magnifique ce qu'on fait là. Oh, c'est du sale. Ça c'est du. Yes, j'ai oublié qu'il jouait tous les petits sorts du monde. Là il va mettre sa bûche. Attends, s'il met sa bûche, j'ai le seum. Là une belle bûche rentable quand même. Là on lui donne une. Ça c'est notre faute, on lui donne une belle bûche. Parce qu'il a cycle. Boule de feu sur les archères. Allez mon ref, t'y vas. Oh yeah, il a dû mettre ça en défense. Le gang qui a quand même beaucoup de DPS. Soyons honnêtes, même s'il va sûrement se faire bûcher. Ok. Souris. Et ouais, mini PK. Putain, les gars, j'ai l'impression que c'est du match-up de merde. Je sais pas. J'arrive pas. Après, je joue mal le deck. Hein. On est à 40 minutes de vidéo. Nice là, parfait. Ouh, nice. Je sens que c'est le play de la game. Je sens que c'est le play de la game. Il peut plus rien faire. Il me donne son gobelin. Je vais stacker. Oh là là, c'est le play de la game. C'est le play de la game, les refs. Je vous le dis. Allez, joue ton zap, joue ta bûche, frérot. T'as toutes les cartes du monde dans tous les cas. Voilà, parfait. T'as pas pu. Voilà, parfait. Là, j'envoie tout. Putain, il va jouer sa bûche. Putain, les gars, je suis trop con. Je suis con des fois. Hein. Le gars joue zap et bûche. C'est juste dans ma tête, c'est pas possible de jouer zap et bûche, tu vois. Eh bien si, tout est possible. Comme se faire défoncer à la dernière minute. Non, ça va. Ça va, après zap et bûche, putain les gars. Qu'est-ce qu'on a fait en vrai? Qu'est-ce qu'on a fait à Clash Royale pour mériter ça? C'est un enfer, allez. Putain, il a tout le temps un truc. Il a tout le temps un truc le ref. Il a sauvé, mais il a une roquette. Non, c'était pas lui, hein. C'est celui d'avant. Ok, zappy. Putain, on aurait dû lui mettre la misère, mais le problème c'est que zap et bûche, on peut... Là, tu vois, si je mets les chauves-souris en plus... Eh ouais, mais comment je défonce son mini PK? Je peux pas mettre... Je peux rien mettre, mon ref. Wouah, on a même pas mis de coup. Alors là, j'ai le seum. Vraiment, je m'attendais vraiment à mettre un coup ici. Bon, je crois que c'est GG, là. Je crois que c'est vraiment GG, je vois pas... Je vois pas comment la win, cette game. On va prendre un coup à se terminer. Bon, c'était cool, c'était un très bon moment, franchement. Jouez ce deck, essayez de le maîtriser. Dites-moi les match-up dans les commentaires. Je pense que. Alors, faudrait qu'on aille voir sur Royal Happy pour voir le match-up. Mais j'ai l'impression que, bon, tout ce qui est. Enfin, j'en sais rien. Les gars, honnêtement, je vous le dis, j'en sais rien. Mais si le mec est premier monde, c'est pas pour rien. Après, forcément, quand il y a du bâtiment, quand il y a Zap plus bûche, c'est surtout un deck. On va revoir la decklist vite fait. C'est surtout un deck très fort, en fait. En fait, quand il a mis sa bûche, quand il a mis son Zap, en fait, on est free, quoi. On peut mettre les gobelins, les machins. Et les princes vont charger. Donc, bref. Je trouve que c'est un super deck quand même. De toute façon, il y a un gars qui a fait 5ème monde avec. Donc voilà. Des bisous. N'oubliez pas le code Créateur Trap, le meilleur code pour soutenir la chaîne, pour soutenir les gameplays de professionnels. Deck compliqué à gérer, je pense. Je pense que c'est un deck très complexe, mais quand tu le maîtrises, t'es Gucci. Des bisous. La vidéo est bien trop longue. Ciao à tous.